J'ai bien aimé Copenhague. Je suis arrivé, j'ai posé ma valise, je me suis barré direct de l'hôtel pour aller visiter. Et c'était très sympa, ma foi. Genre, il y a plein de choses à voir. J'ai croisé que des blondes. Je cherche encore les brunes. Hein. J'aimerais savoir pourquoi le bon Dieu a décidé que toutes les blondes aux yeux bleus seraient magnifiques. Et au Danemark, perdu dans le nord de l'Europe. Et je suis très content d'être là. Je suis très content qu'Unibet choisisse des villes un petit peu exotiques, un peu funky. Tu vois, il y avait la Lettonie il n'y a pas longtemps. Voilà, maintenant, il faudrait juste qu'un petit Français arrive à châter jusqu'au bout, histoire qu'on ait un beau tournoi de A à Z. Mais pour l'instant, la E3, là, ça part bien, Copenhague. Donc voilà, c'est plutôt cool. Cornelius, and welcome back for the second time in the Danish capital city of Copenhagen for Season 7's Unibet Open. Electronic devices are permitted, but excessive use, if you're not paying attention to the game, again you will receive a penalty. Okay. Small blind 50, big blind 100. Players, best of luck. Dealers, shuffle up the deal, please. La baisse du buy-in, j'avais pas tellement d'avis, mais là on voit à Copenhague c'est plein, 400 joueurs déjà, donc ça marche plutôt bien, on verra après Tallinn et Cannes. Mais non, je pense que la formule c'est bien, enfin la structure, vraiment très bien d'avoir changé la structure. Non, ah, ceci, elle est ferme. Bon, je sais pas, à tout à l'heure, on se tient en courant sur Facebook, hein. Ouais, sur un WhatsApp. À l'heure. Hein. Bon, alors c'est bien, c'est une des meilleures vues en 16e étage par contre. Si je prends des bad beats, je peux sauter par la fenêtre. Ah j'avoue, là tu tombes bien. Au dernier moment avant de partir, je me suis dit ok, aussi je fais TF, je prends une cravate. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise en plus, c'est plutôt bon signe. Moi, j'avais pris un t-shirt Unibet au cas où. Et mes logos. Bien caché dans la valise. Maillot. Oh non, le sweet. Oh non, Et je joue deux rois et un as. Il reste deux cartes à tirer. Hop, je tire un 2, tu vois, 2. Bah, je fais, bah, c'est mon fou, c'est je le mets en bas, tu sais. Au milieu et. Alors, il fait, non, il fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il fait, tu sais, au bout de 5 secondes, il fait, non, mais il a misclick, je pense. Là, Seb, dans le truc, il met dans le chat misclick. Tu sais, genre, deux. Misclick avec tous les. Ouais, enfin, voilà. De ouf. Et genre 2 minutes après, Fantasyland, là d'ailleurs il a fait ah oui. Tu sais, j'ai mis à hurler, oui. Tu sais, dans la maison, oui, oui, oui. Here of day 1A at the Unibet Open in Copenhagen. I'm joined by Quentin Lecomte, who is in fact playing tomorrow, day 1B. You were our champion last year, 2013, in Cannes. Tell us a bit more about what you've been doing since winning that big tournament. You won €100,000, which is quite some amount of money as well. And back to the action, you're playing day 1B tomorrow. You have a good feeling about it? I mean, I don't want to say that, but I have. I mean, tempting fate. In Cannes, I had a really bad feeling, you know. I don't know, but I was a little bit stressed, you know. And there, I have a good feeling, but I don't know if it's good. But yeah, I have definitely a good feeling. I mean, as you said, I made a cash recently, so now I've got less pressure. And I'm just feeling ready. I'm not tired. I'm in good condition, so I have a good feeling, but I don't want to say that. Sorry for my English, I was really bad today. On verra ce qu'on devra faire. Demain, je vais visiter la ville. Voir si je fais le side le samedi. Mais voilà, un peu déçu de ne pas avoir fait aussi bien que l'année dernière. Where I could live.
that would be the life for me. I wanted to fly the sky so vast, in a jet plane traveling fast, looking out the looking glass, watching the clouds go past. Ask me where I'm going, I'll tell you where I've been. Ask me who I am and I'll say that I'm yours. Ou 250, je paye juste avec Asdam en big blind, ça vient dame 8-8, je check call 500, turn ça vient 2, je check, check back, river ça vient doublette du 2, donc le board c'est dame 8-8 de 2, je fais 525 et en fait il prend des jetons et je suis pas sûr, je me demande s'il n'y a pas les couleurs de jetons qui ont changé depuis la précédente édition, bref je crois qu'il paye, du coup je retourne Asdam, il me montre 3 dames, il fait ah ok bien joué, t'as perdu le minimum. En fait, il voulait raise en fait. Et le croupier a annoncé que. Comme j'ai... En fait, ils ont appelé le floor. Comme j'avais montré ma main à toute la table, ma main pouvait pas être brûlée. Et du coup, on a joué la main face-up. Donc, bon, je savais qu'il avait roi dame et que. Vu qu'il a vu, il a vu que j'avais as-dame, donc il allait pas relancer. Donc, j'ai simplement payé, j'ai gagné le pot. Donc, En fait, l'action, c'est que je sais qu'il a roi dame. J'ai as-dame, tu sais. Autant. Je sais pas, je vais faire genre 5000, ouais. Hein. Soit je mets cher, ou soit je sais pas. Je peux faire un truc, on verra. La question c'est qui a fait l'erreur. Si le mec en face fait l'erreur, je peux en profiter, il est capable. Non, c'est moi qui l'erreur, c'est lui. Non, c'est moi qui a fait l'erreur, mais je pense qu'on aurait dû annoncer raise en fait. Non. Enfin non, parce qu'il met deux jetons en fait. Non, non, non. T'as combien? 32. Là, j'aimerais bien. Ça, c'est dans une heure. J'avais 38, mais j'ai fait ma call station de bas étage. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Il est là, God. T'as combien? 4008 ici. Combien? 4008. Putain, bien joué. T'as combien? J'avais 3000. Ah, mais j'avais 33 là, genre. voilà. T'as combien? 25. 33, mais t'as triple up. Ah non, mais j'ai joué tous les coups, quoi. J'ai déjà dit, c'est bon. J'en ai marre, alors, samedi. Ah bah, y'a un mec qui a livré Timothée, quoi. 4 bad shots, 9 setups. 40 blindes. Timothée, il t'en tient un peu, tu explores, tu vois, pour le plaisir. Des as. Allez, allez. 40 blindes. Je vite fait le compte et je colle. C'est pas si pour que ça. Non mais tant que les valets quoi. Ouais, non, pas mais le souffle, le mec avait l'air bien joué. Ouais, ouais, il avait pas l'air d'un coup, il craque. Seven.
Michel. Ça me rappelle un tournoi. Dorcard 10 de cœur avec une de mes coupures préférées, c'est-à-dire qu'il y a une avance. Tu l'as merde. Perso, c'est mon lit. Un gros oreiller. Là, je suis mort. Non, mais en fait, c'est plus fatigant parce que la journée après le décès que genre de jouer toutes les mains en fait. Pas d'open face ce soir. Ça dépend si Tommy joue à l'open face à 1 point. Ah, cette journée cauchemardesque. Ah, 2014. Ah, je sais pas, tu payes ta chicha à 1h déjà, non? Vas-y, on va pas aller au bout de la ville pour prendre une chicha. Il est 23h, on va pas se coucher avant. Ah, encore. Ah, ça y est, on t'as arrêté. S'enfermer. Bah, moi, je me couche pas. Ah, ouais. Bon, attends, éteins la caméra. Mais bon, j'arrive. Je vais me coucher à 23h. J'ai mal dormi cette nuit. Ferme mes yeux. Ah, les costumes. Ah, non. Ouais, j'ai un peu mal dormi, mais bon, pas très grave. On verra. J'étais content d'être là, quoi, parce que j'aurais pu bastir deux fois. Et j'ai une bonne table, je pense, donc je le sens bien. Ouais, un stack jouable. Je pense qu'on peut encore profiter, ça va être bien. Ben, je repars la journée avec ça, 28 700, et on est prêt à boxer. On est dans le move et ça va le faire. Allez, bonne chance à tous les Français aussi. Regarde ce stack, c'est lui le meilleur français. So far. Je peux filmer la croupière, c'est pas toute folle, mais elle est bien. Et lui, il est comment? Il est beau gosse, les gars. I say that you're a cute guy. Yeah? Yeah, for the video. Bon bah je vais pas lâcher, je vais tout donner, bon là je vais j'ai 50k, les blindes vont augmenter, ouais, je vais avoir 12-13 blindes quoi en gros, donc ça va être short folle quoi, je vais avoir châté quoi. Allez croupière.
Les losers du tournoi, ils sont là. Souris un peu. Bande de geeks. En plus, s'il fait ITM, il y a une belle histoire en fait, c'est que s'il fait ITM, on a 5%. Et ça me rembourse une chemise que j'ai achetée cet après-midi. Du coup, je suis vraiment à fond. Là. Je peux frérole la chemise. Quoi. C'est la fin, mon loup. On se rapproche. Non, je crois que je vais give up, les gars. J'ai vraiment pas envie. On rediscute dans deux semaines. Non, je vais y aller juste. C'est la chiffre de DS Ocal. Je vais aller jouer sur la bourse, monsieur. Comment ? J'allais faire trader cette fois. Ah, c'est un peu pareil. Le Bitcoin ? Ah non, pas le Bitcoin. Ah, si tu joues au poker comme tu fais du trading, c'est mauvais. C'est l'envers, ça. Ouais, c'est pas on a compris le message. Ouais. Ah, je pense pas quoi. Avoir fait d'erreur au tournoi. En fait. Pourtant, ils m'ont bien enculé. Pas d'erreur, pas d'erreur. On a tout mis sur la chambre à Wattels. On s'est permis, en fait, quand on sait qu'il va faire ITM. Bon, on a pris qu'un Morito pour l'instant, mais voilà, je signe à sa place, j'ai signé Wattels d'ailleurs. Wattels. C'est sympa. Ça yes. Thank you. King in the window, king and queen of deuce. Six. And a four, and we've lost the player. Dealers, just wait. We're going to play the same combination. Il a la R1 Fishwhip. Viens voir ça. Mais j'ai pas d'armes. T'as des carreaux ou pas? Ah ouais, il y en a plein des carreaux. Mais non, y a... Vas-y, tente. Bah non, mais laisse-moi tenter, toi, t'es un enfant. Vas-y, je vais dire, je vais dire. C'est bon, vas-y, mais on joue 50 centimes là, casse pas les couilles. Quoi? Il t'a scoop, vas-y, avec le full, il met 12 points. C'est 12, cherche pas. 6 plus 6. 6, il scoop, plus 6 points de bonus, 12. Putain, mais le mec croit que je vais lui arnaquer. T'as quoi, t'as full? T'as full en bas? Mais oui. Hein, bah c'est bon, 12. Si la foule est qui te coupe, ouais, c'est le plus simple des comptes. Plus 6, 12. Non, c'est le plus simple des comptes. Non, ça fait 10. Ah oui, moins 2. Ça fait 10. Ça fait plus 5 pour moi. Ah non. Bah, je sais pas, sinon là j'ai fold pendant une heure, j'ai fait un 3-bet light et sinon je pouvais rien faire. Il y avait le virage de la mort à ma droite là, vous arrêtez pas de 3-bet, 4-bet. Puis avec short stack et tout, je pouvais pas ouvrir des boosts quoi, genre des credits à chaque fois. C'est pour ça que tu finis, enfin, t'as jamais été bleu. Non, bah oui, c'est le dernier coup, je dois prendre 32 plus qu'un roi, je prends 120 sur le dernier coup. Le short and lead demain. Là, pour revenir sur le coup tout à l'heure, je suis déjà content parce que je t'ai dit que t'as remboursé ma chemise. Ouais, j'ai 65% mais c'est des bubbles quoi. Tu sais pourquoi ils sont là, moi. Mais t'étais chaud pour 15. Ça fait plaisir de voir des potos pas intéressés. On a hésité quand même. Ouais. Kizumi, faut que je les fasse voir. C'est toi, il faut qu'on fasse voir, on va dire 10. T'avais pas dit 10. Tu sais, je vais jouer un flip en tête, ils vont tout plus en transe que moi. Bah ouais. En fait, tu auras deux tables sur ta vie un peu quoi. Ça sera, tu devrais être au taquet d'entrée. Ah, faut que tu chasses aussi gros en fait. Parce que là, en table télé, à mon avis, elle était plus élevée que ça. Bah, je sais pas pourquoi on m'a bougé, ouais, je pense. À part Yensen. Tu devais être trop petit, on même pas de voir, c'est par celui-là, c'est ça. Toi t'as kiffé, on passe le rôle, c'est ça? Ah, j'avoue, t'as kiffé. Mais non, c'est mal. En fait, non, mais déjà, je tombe à 7 bébés, je t'ai tapé 3 fois en 4 mois. C'était moi. 3 fois en 4 mois. Ensuite, tu sais, genre. Troisièmement, on lui donne 2 rois, malheureusement. Ouais, déjà, je me fais craquer les rois, bon, je tombe à 7 blindes, je t'ai tapé 3 fois en 4 mains. La main d'après, bouton open, et genre, j'ai 15 blindes, paire de 10, je fais tapis. Je te promets, je te le refais à l'envers. Le mec fait. Cool. Il a vraiment regardé le ciel. Et en plus, tu sais, j'ai paire de 10. Donc en gros, je sais que genre si tente plus de 2 secondes, vu qu'en plus je fais taper toutes les mains, bah ça sent bon, tu vois. Et sur deux beaux pointards. Cool. Il y a pas des pénalités dans ces cas-là. Mais non, mais tu sais, je monte 2-10 tout content.
Deux as. Et là, il retourne un as, il attend 3 secondes. Non, mais. Le deuxième. Non, mais tu flop. Roi dame vale. Flop, roi dame vale, je pensais que j'allais gagner. Ah, bah. Mais quand même. For fights, stick to the BEAT, get ready to ignite. You are such a PYT, catching all the lights. Just to see you. Hello, we're out and about at one of the legendary Unibet players' parties in the heart of the city here in Copenhagen. I'm here to find out which country parties the hardest. Because of French women. I want to know, do you think the Russians party the hardest? Of course. Out of everyone do in the world. I think everybody drinks vodka. The Germans. Tell me why. Well, look at me. It's not him. Okay. And Jerome takes down the pot. Nice 300,000 chips there. Bah écoute, comme je disais à ton collègue, là, à l'image de mon nœud papillon, là, ma petite tenue vestimentaire, je qualifie la première heure de Jérôme très soignée, c'est propre.
c'est sans fourriture, magnifique. Il a 3 bêtes une fois dans les blindes, c'est bête flop, ça a fold, il a une bonne image. Il a 900K, il va bientôt franchir le million, je pense. Il suffit qu'il continue à s'appliquer. Enfin, je suis serein, très serein. Cette fameuse chemise, c'est celle qui m'a remboursé. Voilà. Là, j'ai même le bonus ne pas, du coup, comme il a été un peu plus loin quoi, que l'UTM. C'est propre. Voilà. We have an open by Jerome to 50,000 and a 3-bet by Gregor in the big blind. To 150, yeah. To 150,000. We have a 4-bet and an all-in and a call. Aces and queens. This is another big pot. Gregor has the aces, Jerome has the queens. So Jerome is at risk here. Gregor, 1.8 million in the middle. Last time we saw aces against queens, the queens hit the flush. They did. Let's try to avoid it. King, 8, 9. The runner flush is out there. Deuce. But that's gone. Down so he needs queens. A queen and a queen only. Another 9, so we lose Jerome, our final Frenchman. We lose our last Frenchman of the event. We are down to 11 players. Là, bon, je suis content, la fois mais content. Bon, quand il snapshot, ça pue quand même. On peut pas 4-bet fold les dames. Quoi. Bon, un peu déçu, mais bon, de toute façon, dès qu'on fait pas premier dans un tournoi, on est déçu. Quoi. Même le deuxième va être dégoûté parce qu'il dit qu'il aura pu faire premier. Bon, faut relativiser et se dire que c'était cool. Quoi. De merde, là. Arsenal, je sais pas quoi, ils sont... Arsenal. Chelsea, Aston Villa. ABL, Arsenal. Devenu en sacré footy, ça. Bah, t'inquiète. Hein. Dire qu'à une époque, il était incollable. Aston Villa avec Abgelongborg. Sinon, bien l'OM avec Chris Vader. Ah non, pas les blagues à tapis volant. Long on the rendezvous. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Now it's 4:30. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Allez, 2-4-3-2. On y est. On y est! Oh, 10! Do it again, now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the wrong route. Now it's 3:30. Time made a fool out. C'est bon? Oui! Fantasio! It's a time of tragedy. Think it's 9. Allez, on a mon compte.
Voilà. Tu prends one hauteur pour buster, tu prends one hauteur pour prendre le bilan. Time made a fool out of me. Now it's half past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. It's a time of tragedy. Bonjour, comment ça va? Soyez bienvenus. Now it's half past three. Time made a fool out of me. Now it's half past four. Elvig, ça va? T'as supporté Delvig pendant des années. Il avait une dalle pas de gauche. On va supporter des Boscovitch aussi, rappelle-toi du but contre Marseille. Rappelle-toi du but contre Marseille, Branco. Mon loup. Branco, Branco. C'est le petit intérieur du pied. Le pastoré du pont. Hein. C'était un pastoré du pont. Il y a eu quelques-uns des pastoré du pont. Out of time, out of time. Non, j'ai mis sur le rouge. Il avait 5% de mon. On avait swap quoi, donc je lui ai donné, je sais pas. À 300 euros à peu près. Voilà. Une demi-heure après, et puis rien quoi. Sur le rouge quoi. Normal.